Le soleil est la lumière de notre vie. Il rayonne sur le monde avec une puissance de 400 trillions de trillions de watts. À chaque seconde, il convertit 4 millions de tonnes de sa masse en énergie. Il émet de la chaleur, mais aussi de la lumière, depuis les rayons X jusqu'aux ondes radio. Tandis que l'hydrogène est transformé en hélium et que des éruptions de gaz jaillissent dans l'espace, le Soleil émet aussi quelque chose de plus diffus. Le vent solaire, un courant continu de particules électrisées. Il faut à ces particules environ 4 jours pour atteindre la Terre, mais elles ne la touchent jamais. Nous en sommes protégés par un champ magnétique, la magnétosphère, une grande bulle qui dévie le vent solaire comme la proue d'un navire. Habituellement, le vent souffle à plus de 400 km par seconde. Mais ces éjections solaires massives peuvent le propulser à plus de 800 km par seconde, une véritable tempête. Sur Terre, elle provoque des orages géomagnétiques, capables d'endommager nos lignes à haute tension et de plonger nos villes dans le noir. Elles peuvent aussi désorienter les satellites. Quand l'Inde perdit son satellite de communication, c'est le marché boursier qui s'est effondré. Ces éjections massives ne sont pas très fréquentes, mais là, avec le disque solaire masqué, on ne peut pas se tromper sur leur puissance. Quand l'une d'entre elles atteint la Terre, la magnétosphère se trouve comprimée. Un orage magnétique s'abat alors sur nous. Au milieu de ces énormes éruptions, le Soleil émet un courant plus régulier de particules électrisées. Elles n'approchent la Terre qu'au niveau des pôles, là où les lignes de force magnétique les canalisent en direction de notre planète. C'est ce qui crée la lumière des aurores. Vue d'un satellite, voici une aurore boréale, un ovale de particules électrisées en réaction avec les couches supérieures de notre atmosphère. L'aurore boréale encercle les régions du pôle Nord. Vers le pôle Sud, c'est l'aurore australe. À la surface de la Terre, c'est une vision de rêve. Nous voyons l'effet des particules électrisées tombant en spirale le long des lignes de force magnétique. Elles entrent en collision avec les atomes et les molécules d'hydrogène et d'azote. Comme leur intensité varie, la couleur varie également. Parfois, quand la Terre s'aligne avec la Lune, nous jouissons alors d'un autre fabuleux spectacle. Ces images célestes nous captivent depuis la nuit des temps, car c'est le Soleil, la lumière de notre vie, qui en est l'acteur principal. C'est l'interception de la lumière du Soleil dans l'alignement de ces trois astres qui provoque les éclipses. Le corps qui intercepte, ici la Terre, projette une ombre. Pour comprendre la mécanique d'une éclipse, commençons par observer une éclipse de Lune. L'orbite de la Lune autour de la Terre est inclinée de 5 degrés par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire l'écliptique. Durant chaque cycle de 27 jours, la Lune coupe deux fois l'écliptique en des points appelés nœuds. Ici et ici. Imaginons que le Soleil brille depuis le bas de l'écran. Une éclipse ne se produit que lorsque la Terre et la Lune sont sur un de ces nœuds. Une éclipse.
éclipse de lune. Et une éclipse de soleil. Quand le soleil brille à gauche, la lune rentre dans le cône d'ombre de la Terre, ici en blanc. Cela donne une éclipse totale de lune. Elle se met à rougir. C'est à cause de l'atmosphère terrestre. À la totalité de l'éclipse, l'atmosphère réfracte et filtre la lumière du soleil et projette cette teinte rouge. Voici une éclipse de soleil. Comme l'orbite de la Lune est légèrement elliptique, l'éclipse n'est pas totale. La Lune est au point le plus éloigné de la Terre et le cône d'ombre ne nous atteint pas tout à fait. Nous assistons alors à une éclipse annulaire. La Lune est trop loin pour couvrir totalement le Soleil. Il en va de même sur Mars. Phobos, son petit satellite, n'arrive jamais à atteindre le point idéal pour créer une éclipse totale. Par contre, ici, la Lune est assez proche pour que son cône d'ombre balaye la Terre. Voici l'ombre de l'éclipse qui aura lieu en août 99 et qui passera rapidement au-dessus de l'Europe en direction de la mer Noire. Vu du satellite, l'ombre dessine un autre trajet. Le cône d'ombre traverse la surface de la Terre à la vitesse du Concorde, c'est-à-dire à 2000 km/h, mais il peut aller trois fois plus vite. En 1998, il passe en coup de vent au-dessus des Caraïbes du Sud, au moment où la Terre, le Soleil et la Lune s'alignent. L'île de Curaçao. Des gens venant du monde entier se rassemblent pour voir une éclipse totale de soleil. Caméras, télescopes et jumelles sont équipés de filtres spéciaux. C'est le seul moyen pour observer le soleil en toute sécurité. Premier contact. Look at the sky. Alors que la Lune s'approche du disque solaire, des nuages menacent de venir gâcher le spectacle. Le ciel s'éclaircit. Cette première phase dure environ 1 heure et demie. Les jumelles projettent une double image du croissant de soleil. L'éclipse totale n'est pas loin. Le soleil est maintenant totalement éclipsé par la lune. Il faut tout de suite enlever les filtres. 3 minutes et demie totalement magiques pendant lesquelles chacun peut voir la couronne, c'est-à-dire l'atmosphère externe du soleil. La lune couvre exactement le disque solaire. Pourtant, elle est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche de la Terre que lui. Ici, grâce à l'éclipse, on voit les planètes Mercure et Jupiter. Un anneau de diamant. Et c'est la fin de l'éclipse totale.